Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Corentin92, j'espère que vous êtes tous super bien. En tout cas, moi c'est le cas, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de Clash Royale. Et aujourd'hui je vais vous faire un petit top 6. Je m'embrouille avec mes doigts, voilà. Un top 6 des choses que vous ne savez pas sur le sort de soin, ou du moins qu'on ne vous a pas dit, puisque ce sort de soin qui est sorti il n'y a pas si longtemps, il a vraiment plein d'utilités. Et je vais vous le présenter dans cette vidéo avec un gameplay fort sympathique. Enfin, il y aura des gameplays en fond, mais aussi des petites images et des gameplays importants, des trucs que vous pouvez faire avec le sort de soin, mais qu'on ne vous a pas forcément dit. Et aussi, vous voyez sur mon compte, j'ai 100 000 gemmes actuellement. Donc voilà, n'hésitez pas à exploser la barre de pouce bleu et me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse un pack opening de 100 000 gemmes sur YouTube. Voilà, dites-moi ça dans les commentaires et on verra si on en fait un. Sur ce, bonne vidéo. À la 6ème place, on retrouve un combo qui est vraiment fabuleux. Un combo que j'ai découvert il y a vraiment pas longtemps en m'entraînant contre l'instructeur. Vous savez, le petit truc qui se trouve juste en dessous de votre deck. Un combo qui, avec un feu à gobelin, un sort de rage, un sort de clone et un sort de soin. Oui, ça fait beaucoup, mais vous avez accès à l'élixir, ne vous inquiétez pas. Avec ce petit combo, il vous suffit de balancer un feu à gobelin et de mettre ses 3 sorts, dont le sort de soin. Et vous pouvez faire tomber instantanément la tour du roi à votre adversaire et du coup mettre 3 couronnes s'il n'a pas de quoi défendre. Et franchement, c'est un combo qui est vraiment impressionnant à voir. Vous avez une petite image de ce combo qui régale, voilà, j'ai réussi à le faire. Il est facile à faire, vous pouvez l'essayer, franchement c'est quelque chose de super bien à réaliser. Et franchement, on s'y attend pas parce qu'on ne balance pas deux feux à gobelins, on en balance juste un seul. Après on le clone, on l'enrage et on les soigne. Du coup les gobelins ne meurent pas, puisque du coup les flèches n'arrivent pas à tuer ces gobelins. Et ça rend quelque chose de super bien. Et franchement je vous conseille de tester ce combo, tout simplement, ça peut faire des trolls très sympathiques. À la 5ème place, on retrouve quelque chose d'assez sympathique comme combo, voilà. Enfin, c'est pas vraiment un combo du coup, mais en fait, tout simplement, le sort de soin peut rendre des troupes invincibles pendant un certain temps. En effet, vous voyez par exemple, si vous allez balancer un feu à gobelin sur votre adversaire, et bah s'il pose un chevalier, le chevalier il met 2 coups à tuer les petits gobelins. Par contre, si vous mettez un feu à gobelin et un sort de soin, et bien tout simplement, le chevalier n'arrivera pas à tuer les gobelins, puisqu'en fait, dès qu'il le tapera, le gobelin se remettra full vie, et du coup, ça mettra, le chevalier mettra 10 secondes à tuer un seul gobelin, et du coup, voilà. C'est quelque chose que j'ai remarqué il y a assez peu de temps, voilà. Et là vous voyez aussi, d'ailleurs on a un petit gameplay où le mec joue sort de soin à très haut niveau et ça fait extrêmement plaisir. Vous voyez un peu la puissance de ce sort, même s'il se fait un peu rouler dessus. Ce sort de soin est vraiment quelque chose de super bien et il peut rendre du coup des troupes invincibles. Et franchement je vais pas tarder à tester ça en ladder, mais c'est très très fort. À la 4ème place, simplement, je vais vous dire qu'est-ce qui est le meilleur counter, enfin, à quoi sert le sort de soin, tout simplement, voilà. Le sort de soin, c'est le meilleur counter contre 3 cartes. Est-ce que vous connaissez ces cartes? Je ne sais pas pour l'instant. Ce sont bûche, boule de feu et poison. En effet, quand votre adversaire balance une boule de feu ou un poison, il se dit très bien, les troupes n'ont plus de vie, elles vont mourir, je vais les laisser comme ça. Mais vous, si vous avez un sort de soin dans votre main, vous pouvez tout simplement annuler l'effet d'une boule de feu. Et ça, c'est juste magique, vous pouvez tout simplement annuler l'effet d'un sort. Je sais pas si vous vous en rendez compte, par exemple. Alors, on va juste enlever les petits messages, voilà. Mais annuler l'effet d'un sort, c'est quelque chose que aucun sort ne fait pour l'instant. Et du coup, voilà. Et ça, en fait, quand il a été décrit, le sort de soin, personne ne l'a vraiment dit, voilà, que c'était vraiment quelque chose qui pouvait annuler les sorts, voilà, les petits messages qui font plaisir. Donc voilà, vous voyez très bien sur les petites images, tout simplement, que en fait, si votre adversaire balance une bûche et que vous balancez un sort de soin après, votre combo, il est toujours là, vous pouvez continuer à balancer votre autobus et il fait super mal. À la 3ème place, je vais vous montrer les deux meilleurs combos avec ce sort de soin. C'est tout simplement les 3 mousquetaires et un sort de soin. Puisque oui, en effet, les 3 mousquetaires, la seule façon de les contrer, en tout cas la plus utilisée, c'est de balancer une boule de feu. Et comme vous le savez, je vous l'avais dit auparavant, que le sort de soin est le parfait counter de la boule de feu, tout simplement. Du coup, si vous jouez les 3 mousquetaires avec un sort de soin, votre adversaire ne pourra rien faire et ça sera vraiment quelque chose de génial. Et aussi, le deuxième meilleur combo, c'est tout simplement le dragon de l'enfer et le sort de soin, puisque ces deux cartes ensemble feront tomber une tour instantanément et pourront même aller jusqu'aux 3 couronnes si votre adversaire a peur de le défendre. Par exemple, si votre dragon de l'enfer arrive avec peu de vie sur votre tour et que votre adversaire vous dit bon c'est bon il a pas trop de vie et que vous balancez un sort de soin, vous allez tout simplement lui éclater sa tour et vous allez instantanément gagner la partie. Pour
Bon, cette information, c'est pas quelque chose de fou non plus, mais voilà, c'est quelque chose qu'on ne vous a pas dit forcément, voilà, parce que ce n'est pas marqué dans la description du sort de soin. Mais il y a marqué, par exemple, que ce sort de soin rend plus 300 PV en tout. Mais il faut savoir que ces plus 300 PV s'appliquent non pas à une seule troupe, mais à tout ce qui est dans le rayon du sort de soin. Du coup, par exemple, si vous avez 3 troupes dans un sort de soin, chacune des troupes va gagner 300 PV. Donc voilà, c'est quelque chose, bon, c'est pas folichon non plus, mais dès que vous posez un sort de soin, il faut mettre le plus de troupes à l'intérieur que possible. Comme ça, le sort de soin sera vraiment super efficace. Imaginez, vous avez 10 troupes à l'intérieur, ça fera rendre 3000 PV aux troupes qui sont à l'intérieur, et ça c'est juste énorme. En tout, ça va rendre 3000 PV, du coup chaque troupe aura plus 300 PV pour elle. Mais même si cette troupe n'a pas 300 PV maximum, vous savez, elle va régénérer continuellement ses PV jusqu'à gagner 300 PV pour elle-même, même si le sort de soin a une durée limitée. Enfin bref, c'est une information pas super énorme, je l'avais dit, mais franchement c'est vraiment super utile, donc vous pouvez faire des combos super sympathiques avec ça. Et pour la première position, on retrouve quelque chose de sympathique aussi. Vous savez, il existe des combos dans Clash Royale qui ne passent pas, tout simplement parce que, par exemple, un ballon, si vous le balancez et que votre adversaire a mis un électro-sorcier, votre ballon ne fera zéro dégâts. Ou par exemple, si vous balancez tout simplement un cochon et que votre adversaire balance un mini PK, ça ne passera pas. Et bien tout simplement, cette ère est résolue et révolue tout simplement, puisqu'en fait, avec le sort de soin, vous pouvez inventer des combos qui vont passer. Par exemple, si vous posez un ballon avec un sort de soin et que votre adversaire s'y met un électro-sorcier, et bien votre ballon arrivera à mettre un coup, voire deux à la tour ennemie. Et ça, ça peut faire clairement la différence. Vous, si aussi vous mettez un cochon plus un sort de soin, et bien le mini PK n'arrivera pas à tuer votre adversaire et votre cochon mettra bien plus d'un seul coup et vous arriverez à faire pas mal de dégâts, et ça c'est vraiment super important. Enfin bref, voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous en avez appris un peu plus sur le sort de soin, que vous allez jouer un peu, parce que là j'ai fait un petit tour dans la TD Royale, il n'y a pas énormément de sorts de soin qui sont joués. En même temps, c'est vrai qu'on a un peu de mal à trouver de la place avec cette nouvelle carte. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un énorme pouce bleu, ça me fera extrêmement plaisir, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer l'opening de 100 000 gemmes qui sort bientôt sur la chaîne. Et voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Corta412, tchuss. Get your life.